Chapeau, crème solaire et bouteilles d'eau vont rester de rigueur jusqu'à dimanche. Le département d'Indre-et-Loire a été placé en vigilance orange canicule depuis hier. 38 degrés à l'ombre, la région Centre-Val de Loire était la plus chaude de France aujourd'hui. Pour une fin de mois d'août, ces températures sont bien au-delà des normales de saison. On a un anticyclone qui est centré sur l'Europe, presque l'Europe centrale. Hein. Et donc, comme il entraîne l'air dans le sens de l'aiguille d'une montre, donc dans sa bordure ouest, qui se trouve être juste chez nous, bah, ça fait remonter de l'air qui vient en droite ligne d'Espagne et même du Maghreb, donc de l'air surchauffé. Et puis avec en plus une masse d'air qui est très stable, donc pas beaucoup de vent, donc ça chauffe d'autant plus. Demain et samedi, le baromètre devrait peut-être baisser d'un ou deux degrés pour avoisiner les 35. Dimanche, le mercure descendra encore un peu plus et l'air devrait être moins chaud.